départ de notre voyage en Suisse. Ouais, il y a un an. Il y a un an. Et là, en allant chercher de l'eau à une aire de service à Flensburg. C'est ça, en Allemagne. En Allemagne. Qui était devant nous? Marianne et Nicolas. Voilà. Bon, on était forcément super contents de les revoir. Il faut savoir qu'on ne s'était pas du tout parlé pendant toute cette année en cours, à part la fois où on s'est rencontrés et qu'elle nous avait proposé très gentiment de nous aider au niveau des cours des enfants si on avait besoin sur l'année à venir. Et donc voilà, on vous remettra la petite photo après. Un petit bisou pour eux. Et puis on se redonne rendez-vous dans un an. On ne sait pas où, mais cette fois-ci on mange ensemble. Hein. Allez, vous nous suivez, on part cette fois-ci pour 15 jours. 15 jours de visite et pas 15 jours de galère. On va où? Aux Pays-Bas. On va aux Pays-Bas. Allez, c'est parti, suivez-nous. Petite parenthèse, je reviens. Nathan était en train de dire, parce qu'on a un petit conflit, alors il faut le régler. Que les Pays-Bas étaient trop géniales. Il a juste trouvé que sa sœur parlait comment? Trop petit et pas joyeux. Trop petit et pas assez joyeux à son goût. Voilà, ça c'est fait. Allez. Avancez voir si vous voulez.
Allez, on est parti. Attends, je suis à la tête. Allez, on continue. Ça grimpe, ça grimpe. Les grosses mémères. Et on arrive, on arrive. C'est parti. Ben voilà, on remplit. Pourquoi tu remplis? Parce qu'on est à sec.
Et pourquoi? Et il est où le point d'eau? Tout à l'heure, là-bas. Attends. Oui. Bouteille. Oh mince, elle est vide. Bouchon, j'ai pas un bouchon. Ben, c'est pas celle-là, moi. Il n'y a pas toujours un robinet, hein? Bouchon. Oui, ben, de fond. Nathan, ben, il appuie. Tout à l'heure, c'était moi. Ben, maintenant, c'est Nathan. Et Jean, ben, il est tout là-bas. Ah, attends, je zoome. Ah, c'est le premier, là-bas. Non, c'est pas le premier. Si, il est... Bien. Voilà. On en a pour un tout petit moment. Bizarre. Allez, pousse. Hé ho, on rentre du point d'eau. Hé ho. Hé ho. Okay. Recule là. Attention au vélo. Hello. Elles sont bonnes, hein? Ah ouais, elles sont bonnes? Au-dessus de ta tête? Oh ouais, au-dessus de ta tête, elles sont grosses. Vas-y. Non, au-dessus, je pourrais pas. Pourtant, il ferait tout pour en manger. Elle est gourmande. Donne à moi. Oh, t'en manges pas, oui. Ah, j'en ai mangé une bille. Vas-y, à fin. Vas-y, donne. 3. Mmh. Oh là, on en a bien ramassé. Ouais.
reste sur le même rythme. Elle change de note. Bon, voilà. Salut tout le monde. On est parti de Groningen, on a été voir un moulin. Et on a pris la pluie. On a pris la pluie, ça aussi la vie de nomade. Voilà, il fait super beau. Maintenant, nos vêtements sèchent. Et on va voir parce que du coup, pas de parc national aujourd'hui, il pleut trop. On était trempé jusqu'à l'os. Donc on va voir ce qu'on fait. On a séché Reika ou ses cheveux et elle se repose. Les enfants sont en train de jouer au Playmobil. Coucou. Voilà. On n'est pas bien là. Des bateaux lardons. C'est fini, comment ça? Vas-y, vous pas faire pour visiter la Hollande. Bip bip. Nathan, tiens la porte. Oh là là. Vous êtes fou, hein. Ça y est, tous les vélos sont rangés et maintenant, place au rugby. Et au repas. Oh. Allez. Qu'est-ce qu'on dit? Allez, bleu. Allez, bonne soirée, hein. C'est pas les bleus qui vont gagner, c'est les Écossais. Ils sont mal partis les bleus, ils sont qu'à 3 et les Écossais à 10. Oh là là, oh là là. C'est quoi ce bazar? Eh mais tout n'est pas fini là-haut. Oui mais bah, quand même. Je sais que c'est les Écossais qui vont gagner quoi. Non non non, allez les bleus. Allez les bleus. Pas moi. Quand même.
parti. Et on regarde devant soi, hein. Oui. Allez. Serre-toi un peu plus, voilà, à droite. Vas-y, avance. Pas, c'est eux qui font. Restez bien à droite, Lola. Serre-toi à droite, il y a une voiture. On reste bien à droite, Nathan. Tu bouges pas. Très bien. Très, très bien, Nathan. Rémia, j'ai failli prendre un train. Come on baby, let's go. C'est très très joli ces petits canaux.
avec les petites maisons au bord. C'est très sympathique. Voilà les canots de Winsome. Conseillé par le vendeur des vélos. Bon dimanche à tous, on espère que vous allez bien. Nous ça va. Quitter Groningen, enfin. Et aujourd'hui, on inaugure l'utilisation des vélos avec les enfants. Voilà. À Winsome. Winsome. C'est le vendeur du magasin de vélos qui nous a indiqué ça, vu qu'il habite là et c'est un des plus beaux villages des Pays-Bas. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Et je me ressource en café parce que j'ai toujours pas de cafetière. Et ça commence à être très très compliqué. Bon, on leur a pas dit qu'on était tombé en rade de cafetière. Et bien voilà, maintenant vous le savez, on est en panne de cafetière. On a racheté une il y a 3 mois en Espagne, mais ben, elle a pas tenu le coup. Donc on y va tout à l'heure là, faire 2-3 courses. Même si c'est une dame au bambou. Et après, on reprend aussi la route à une petite heure d'ici. On reprend les visites. Il faut qu'on s'active, on a plus que 15 jours avant le salon. On y va. Voilà. Si, perfecto. Regarde devant. David, là, je prends tout dans la tête. Tu peux voir là-bas? Écoute. Je l'attends. Et je suis là. Allez. Allez, c'est bon. Hop. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de nos petites semaines. On espère que ça vous a plu. Ouais, n'hésitez pas à commenter, nous ça nous aide à évoluer, à ce qu'on s'améliore. Pour vous proposer des choses différentes, on va essayer de parler un peu plus. Voilà, parce que les écrits et les images, voilà, on sait que ça passionne pas tout le monde. Voilà. Juste, je tenais à préciser que je m'excuse d'avance du bruit et de la qualité. Au niveau de la vidéo de la sortie en vélo, mais si vous avez l'occasion, essayez de pédaler uniquement avec un seul pied. Vous abaissez la pédale et vous retournez la chercher pour la faire remonter, vous rappuyez et vous comprendrez le clac, clac, clac à chaque... voilà, j'ai pas pu pédaler avec l'autre jambe encore, c'est pas rétabli. J'ai quand même fait quelques randos et ouais. Puis pour une première, je trouve que c'était sympa avec les enfants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a acheté des vélos, non? C'est ça? De quoi? Pour ta rotule. Ah ouais, peut-être. Là, il nous reste plus qu'à acheter une petite carriole pour emmener Raïka avec nous.
Et puis après, on est bon, je pense. Hein. Ouais, on est bon là, c'est bon. Ouais. On est pareil pour les Pays-Bas. Là. On voulait amaigrir Georges, mais je crois qu'on s'est encore agrandi. Ouais. Il grossit là. Enfin bon, tout est dans la remorque, mais on vous fera voir ça la semaine prochaine. Voilà. David a bien travaillé ce matin. Et puis voilà, likez, abonnez-vous. Voilà. Et puis on se retrouve.